When I would do good, evil is always present with me. Oh, wretched man that I am, who will free me from this body of death? Thanks be to God through Christ Jesus. I'm ready for the fight of my life. Start the record. Tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213-493-0167, 213-493-0167. Bonne journée. Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ma journée. Nous sommes quasiment à la fin de journée, c'est la dernière édition de ma journée, mesdames, mademoiselles et messieurs. Au sommaire de ce numéro, vous aurez la réflexion du jour, l'actualité mondiale, la chanson du jour et à la fin, l'actualité de l'église tous les lundis, juste après dimanche. Et nous commençons... ma journée, et ce soir il est 10h33 minutes, c'est quasiment la fin de la journée. Je vous offre la note titrée Grâce Bondy avec les Gilbert, une jolie chanson. Écoutez-la maintenant sur nos ondes. Confiance dans mon Dieu, pas jamais été abandonné.
te plaît. Toute une vie qui ou fait, oublie si mon défidèle. Il s'en si pour mon qui est bête, ou pas besoin de mon affaire. C'est celle même qui ou est mes heures. Mon aimé si ou découragé, c'est ça, t'en as pas couragé. La vie te fait, la est mon check, couvrine. Aïe, y'a un fait pour ça, c'est retenu de Noël comme ça. Si la vie te fait, la est mon check, couvrine. Aïe, y'a un fait pour ça. C'est bon, j'ai sur les ondes de la radio Respiration FM, la lune de l'actualité mondiale. Aujourd'hui, le baron de la drogue mexicain El Chapo tente d'éviter son extradition aux États-Unis. Affaire Duvalier, la décision de la cour d'appel, un signal fort, mais beaucoup reste à faire selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Au Venezuela, eh bien, barricade à Caracas, le président Maduro prépare un dialogue national. Et à l'actualité de l'Église, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Corée du Nord, un missionnaire de 75 ans, arrêté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gardez l'antenne, ces titres et d'autres seront développés juste après la réflexion du jour. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration. We'll be right back.
À vous tous qui fêtez un nouveau printemps, la radio Respiration vous souhaite un joyeux anniversaire. N'oubliez pas de nous écrire à respirationfm@gmail.com, respirationfm@gmail.com, si vous avez des amis qui fêtent un nouveau printemps. Bonjour sur les ondes de la radio Respiration FM. Voici la parole de Dieu pour ce lundi 24 février 2014. Jérémie 32, le verset 27e. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dans le roman historique chinois intitulé Les Trois Royaumes, l'auteur Liu Guangzhong décrit la stratégie du fort vide, l'emploi de la psychologie inversée pour leurrer l'ennemi. À leur arrivée à Zicheng, qui comptait moins de 2500 soldats, les troupes de 150 000 hommes issus du royaume Wei ont découvert que la porte de la ville était ouverte et que le célèbre tacticien militaire Zhu Jiliang y jouait calmement de la sitar avec deux enfants à ses côtés. Le général Wei, bouche bée, devant la scène et croyant à une embuscade, a ordonné que l'on batte en retraite complète. La Bible offre un autre exemple de stratégie militaire déconcertante. Dieu a demandé à Gédéon d'utiliser 300 hommes, trompettes, cruches et flambeaux contre des soldats aussi nombreux qu'une multitude de sauterelles et dont les chameaux étaient innombrables. Le peuple d'Israël pouvait-il vaincre une telle opposition? C'était humainement impossible. Il n'avait ni le nombre de soldats, ni l'armement militaire nécessaire. Il disposait toutefois d'une chose en sa faveur et qui lui suffisait. Dieu lui avait fait une promesse. C'est Dieu par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Oui, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Que je vous livrerai Madian entre tes mains. Résultat, sa victoire. Aujourd'hui, avez-vous un défi de taille à relever? Le Seigneur a dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dans un instant, la prière du jour, sur les ondes de votre station de prédiction,